Salut tout le monde, c'est Eldezo et on se retrouve aujourd'hui pour un petit glitch ou une astuce, je ne sais pas trop. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, d'abord, vous pourrez retrouver cet affrontement dans la description. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. Vous vous retrouverez sur Rockstar et vous ferez ajouter au jeu, comme vous le savez déjà sûr, certainement. Et donc, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous devrez relancer Rockstar. Enfin, vous devrez relancer un nouveau mode en ligne pour que ça s'actualise. Puis vous allez faire Start en ligne, héberger activité, puis vous allez sur vos favoris et dans affrontement vous trouverez cet affrontement. Donc vous allez le lancer, vous allez avoir besoin d'être deux. Et donc tout simplement, quand vous vous retrouverez à l'intérieur, vous y retrouverez des tas d'armes, donc toutes les armes de poing, club de golf, les bouteilles, la bouteille cassée, la matraque, vous avez aussi le pied de biche, la batte de baseball, enfin il y a un peu de tout. Donc ça restera tout le temps. Vous y trouverez aussi le minigun, le lance-roquette et le lance-grenade. Par contre, pour cela, si vous n'avez pas le niveau requis, que vous ne l'avez pas acheté sur la munition, ça ne restera pas. Donc vous allez tout simplement l'avoir pendant. Enfin, vous allez l'avoir une seule fois. Dès que vous aurez fini les munitions, ça partira. Donc c'est toujours sympa, vous pourrez l'utiliser n'importe quand sur la map. Et vous pourrez donc tout simplement éliminer tous les joueurs que vous voudrez en online. Vous y trouverez aussi du C4, du Molotov, des grenades, enfin à peu près tout. Les grosses batteuses aussi. Enfin tout ce qu'il faut pour bien recharger vos munitions et tout ça gratuitement. Et donc avoir aussi tout ce qui est les armes de poing. Mais aussi avoir pendant au moins une fois enfin le minigun, le lance-grenade et le lance-roquette. Vous aurez juste à venir vous réapprovisionner dans cette mission. Et donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça. Je vais juste vous montrer que quand c'est fini et que je reviens en online, je les ai bien. Bon, même si moi j'ai déjà le niveau, que je les ai déjà achetés, donc j'ai pas vraiment de moyen de vous le prouver, mais je vous assure que ça marche. Normalement vous devez garder tout ce que vous n'avez pas encore débloqué, vous devez le garder au moins pendant un chargeur. Par contre, si vous mourrez avec l'arme dans la main, c'est possible que vous la perdiez directement, car normalement on perd nos balles, enfin on les laisse tomber par terre et tout simplement on n'a plus rien ensuite. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça, j'espère que cette petite astuce glitch vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde!